Voilà le Père de Noël des boulevards parisiens. L'automne est là. Les arbres n'ont plus de feuilles. Je m'approche de la place d'Enfer Rochereau, l'Enfer Rochereau, pour rejoindre les ateliers de l'Apple Store en passant par le Jardin de Luxembourg. Et même dans Paris, vous voyez encore des SDF. Paris est inspirante. Voilà, je me trouve à la gare d'Enfer Rochereau, au site de Paris. Et vous voyez, tous ces gens font la queue pour visiter les catacombes. Donc, vous voyez, les catacombes, par analogie aux nécropoles souterraines romaines, vous voyez. Et il paraît que fin 18e siècle, dans tous les cimetières de Paris, eh bien, on a ramassé tous les squelettes, les ossatures, et on les a mis ici. Bien, écoutez, on est Noël, et Noël, c'est la nativité. Eh bien, on ne va plus parler des tombes. Hein. Vous voyez là-bas, au fond, vous voyez la tour Montparnasse. Et voilà, chers amis, après d'Enfer Rochereau, j'arrive à Port-Royal, au centre de Paris. Et après le Port-Royal, c'est le Jardin de Luxembourg, la Sorbonne et Saint-Michel. Et ensuite, la Seine. Vous voyez dans Paris ce qu'on peut trouver au cœur de Paris même. Ici, le philosophe mathématicien Blaise Pascal venait méditer. Et hop, quelque chose qui s'est cassé. Voilà. Et voilà ce qu'on peut trouver au cœur de Paris. C'est quoi? Atelier boutique, les grands voisins. Vous voyez? Beaucoup de fraternité qui commence à se créer entre la population. Bravo! Donc on continue, vous voyez ce qu'on trouve dans Paris, l'artisanat monastique, boutique des monastères. Là, il y a des produits naturels et bio qui sont très très bien. Le fromage de France. Le monastère. Et voilà, chers amis, je suis au centre de la place Port-Royal. Là-bas, ici, c'est l'hôpital Cochin et la maternité, la plus grande maternité de Paris. Là-bas, c'est le boulevard Saint-Michel. Et juste entre la jonction de la cité universitaire et les bâtiments en pierre de taille, j'avais ma chambre d'étudiant dans les années 80, il y a une quarantaine d'années. Et là-bas, vous trouvez le Jardin de Luxembourg, Royal. Ici, c'est le boulevard Montparnasse. Et le Bullier, le fameux café, quand on était étudiant, on venait. D'excellents souvenirs. C'est un peu sombre. Et tout au bout, on va finir par l'Observatoire de Paris, de Port-Royal. Vous voyez, on va finir dans les étoiles, chers amis. À bientôt.